RTL, 11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Et tous les matins en direct et en public sur RTL pour À la bonne heure. Une heure et demie de bonne humeur, d'humour, avec de charmants camarades. Caroline Vigneault, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Et Eric, oui. Eric Nolo, oui, oui, c'est un camarade aussi. Oui, oui. Ça va bien. Oui, Caroline, charmante, j'approuvais comme ça. Ah oui. Mais à la radio, si vous approuvez, ça, si vous ne le dites pas, ça ne sert à rien. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Avec oui, les caméras, je croyais que. Non. Mais non, mais ces caméras, c'est juste pour RTL.fr. Ah, d'accord. Avec nous également Patrice Carmouche. Voilà, j'essaie de réparer le casque sous la table. De Raphaël. Oui. Sous la table. Ah oui. Bonjour Raphaël. Bonjour, il cherchait juste comme ça. Le fil de bon fil. Voilà, il a remis le. Ça y est, j'en ai fait tout ici. Voilà. Avec nous également Régis c'est Maillot. Bravo, bonjour. Merci, merci d'applaudir. Et puis Éric Dussard qu'on aura en ligne tout à l'heure pour la chronique télé. Eh oui. Je vous présente. Pardon ? C'est pire en pire du sort. Hein. Ouais, ça ne va plus. De temps en temps, il enregistre, de temps en temps, il est au téléphone. Ouais. Voilà. Et puis, vous savez que dans cette émission, vous pouvez poser toutes les questions à nos invités. Ah oui, en nous appelant au 3210 ou sur le site RTL.fr. Je ferai une sélection des questions les plus pertinentes. Ou impertinentes, évidemment. Je vous présente nos invités. Dans le cercle des actrices incontournables et à géométrie variable, devenue un parfait caméléon qui peut tout jouer au cinéma ou au théâtre, grâce à ce qu'elle appelle une transparence corporelle et qui c'est moi qui ai dit ça. Bonjour, vous avez dit je suis transparente comme même tout le monde et qui pourtant cette transparence évidemment a été battue en brèche lorsque on l'a vue quand même vraiment nue sur scène. Pour autant, elle ne montre rien de là scène. Non hein. Non, là, non, là, elle est très habillée. Maillot de bain, ceci dit. On est en maillot de bain, dans la pièce. Dans la pièce, oui, mais là, il fait très froid ce matin. Oui, pas là, ce vous matin. Êtes très emmitouflée. Elle ne montre rien de sa vie, reste pudiquement discrète, au point que pour trouver un dossier noir sur elle, il faudrait engager la police d'État de Kim Jong-un. En Corée, c'est vrai, j'ai rien trouvé, c'est horrible. On l'a engagé. C'est horrible. Quant à lui, brillant acteur, qui ne sait voir que ses défauts, quand le public admire en lui une sorte d'Al Pacino français. Il est passé avec succès à la réalisation dans le genre de la comédie, en s'inspirant largement du fait d'être marié à une actrice d'abord, à l'affiche du nouveau film de Christophe Rougiat, que j'ai bien aimé, dans La Tourmente, et avant de réaliser une nouvelle comédie où il sera au lit avec François Cluzet, mais sans Omar Sy, hein, qui est devenu intouchable. Il remonte... Joli, bravo. C'est pas toujours de ce niveau-là. Il remonte après 20 ans sur les planches pour une pièce qui fait sens, race, de David Mamet. C'était la comédie des Champs-Élysées. Quant à elle, elle est à l'affiche aux côtés de Samuel Labarthe au théâtre Montparnasse dans des pensées secrètes qui lui vont visiblement si bien. Avec nous ce matin, Isabelle Carré et Yvan Attal.